Et bonjour, bonsoir à tous! Bienvenue encore une fois sur un départ de live complètement raté du 5 janvier 2024. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le casque sur la tête et qui dit casque sur la tête signifie que l'on va jouer à des jeux vidéo. Auquel allons-nous jouer ce soir? C'est celui-là! En tout cas, pour commencer, on va commencer avec eFootball parce qu'il y a un nouveau mode de jeu qu'on n'a pas encore testé en live. Et sur lequel j'ai un petit peu avancé, donc j'ai envie de continuer à jouer ce soir. À peu près le seul truc, l'un des seuls jeux auxquels je joue en ligne. Ils ont réussi à me ramener. Autant j'étais en mode non, je joue plus. Parce que le mode, juste le mode, comment dire, équipe de rêve me saoule un peu. Mais ils ont lancé un truc en équipe semi-équipe de rêve, etc. Enfin bref, on va rentrer dans les détails. Avant ça, on va quand même faire leur machin. Parce que du coup. On a chopé, ils nous ont fait plein de cadeaux. Alors, déjà, il y a une nouveauté, c'est le jeu du jour. Donc, en gros, tu joues un penalty. Pour l'instant, j'en ai pas raté un seul. Ça se demandait à quel point. Alors que c'est absolument pas Barcola qui tire, hein, pour info. Voilà. Ouais, je pense que ça doit être fait exprès pour que. Si vous vous connectez quasiment tous les jours, bah, vous marquez des points très facilement. Voilà, vous récupérez des trucs. Bref. C'est pas le plus important. Donc ça c'est la petite nouveauté. Là ils nous ont fait plein de cadeaux, du coup on va aller chercher les contrats. Parce qu'on en a quelques-uns. On a des joueurs gratuits. Eh bien, en Epic. Epic Spanish Leagues Attacker. On en a deux. On peut avoir Raoul. Attendez. Mais il n'y a pas assez de joueurs dans le monde d'aujourd'hui pour que ça donne envie. Ah mince, en plus le patch que j'avais mis du coup n'existe plus. Parce que j'avais mis un patch. On avait vu la dernière fois où j'avais les vrais maillots et les vrais écussons, mais visiblement ça a disparu. Donc c'est dommage. Oh allez, un petit Rafinha. On a quelques anciens Rennais dans le. Mais il y a Johan Cruyff, Diego Forlan, Raoul. Si on a ça, on n'est pas mécontent. Allez, on va faire l'ouverture en live. Ça peut être fun. Ils ont changé l'animation aussi. Je sais pas si c'est la saison 3 officiellement pour eFootball ou pas. Soumaré, l'ancien Lillois, si je dis pas de conneries. Il joue donc à Séville, me semble. Sevilla, Navillan, Ok. Bon, ça nous fait un joueur. Il est niveau 1, on est d'accord, donc potentiellement. Un joueur sur lequel on va pouvoir augmenter. Allez, le deuxième. Et je crois qu'on a des joueurs italiens aussi à aller chercher. Enfin, de italien. De ligue italienne. Miranda. Juan Miranda. Inconnu au bataillon. J'imagine qu'en VR, du coup, ça doit être le Betis Séville. Au hasard. C'est via Triana. Ouais, donc ça doit être ça. Inconnu au bataillon. Voilà, après ça coûte des points, évidemment, pour avoir les autres. On n'a pas un hein, ici, non. Il faudrait mettre des. Parce que là, ils nous remettent certains joueurs qui ont été Player of the Week. Donc pour aller chercher un Lionel Messi, un Kylian Mbappé, un Erling Haaland, un Harry Kane, un Darwin Núñez. Raheem Sterling, qui c'est? Ah, Takekubo. Petite découverte de mes visionnages de début d'année, Lucas Chevalier. Pour aller chercher des joueurs qui sont au niveau maximum. C'est le point positif. Si vous prenez ça, vous n'avez pas besoin de les faire améliorer. Et je crois qu'on a des contrats gratuits dans les joueurs italiens également. Parce que on en a déjà eu, hein. Ouais, voilà, on. Bon. Donc soit. Ouais, sachant qu'on a deux contrats là, bon. Normalement, à moins de pas avoir de chance, on devrait avoir un très bon avant-centre. Un très bon avant-centre français. Une chance sur trois. Mesdames et messieurs, numéro 9, Olivier Giroud. Pas si mal modélisé, hein. En vrai. Olivier Giroud qui rejoint notre équipe donc à 82 mais niveau 1 sur 25.
Pareil, possibilité de. Ah, s'il pouvait venir même à 82 au stade Rennais en ce moment, on prend. Hein. Et du coup, Sommer ou Bastoni? Petit gardien de but. Ça, ce sera pour renforcer l'équipe de rêve, mais on va pas s'en servir aujourd'hui. Ce sera Bastoni. Dommage, hein. Bon, moi qui ai plus qu'un. Défenseur central de l'Inter Milan. Ok. Bon, comme ça j'ai pris mes joueurs, j'ai des contrats directs. Est-ce que j'ai un contrat 5 étoiles? Des mid-season MVP. Contrat direct. J'ai un contrat 5 étoiles. Parce que si je peux prendre Griezmann, je prends. Hein. Ah non, c'est uniquement. J'ai un contrat 4 étoiles. Ah bah Daniel Rougani. C'est quoi ces images par contre où ils sont tous mid-saison MVP, c'est. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ça fait aucun sens. Hein. Détail du produit. Hein, on s'en fout. Bref. Mauro Icardi. Une autre Super League. Ah, ça c'est les. Ah, joueur homme du match. C'est les hommes du match de cette semaine en. En. Comment dire? Ou l'équipe de la semaine? Non, équipe du mois, pardon, Player of the Month. Ah, je croyais que c'était Player of the Match. Non, c'est joueur du mois, l'équipe du mois de décembre, j'imagine donc. En Super League. Avec Mauro Icardi. Qui fait les beaux jours de Galatasaray. Bon! Alors. Maintenant qu'on a fait tout ça. J'ai encore récupéré des trucs? Ah oui. Les actualités, on s'en fout. Le mode de jeu dont je voulais vous parler. Le voilà. Le mode My League. Oui, j'ai vu équipe de rêve. Oula, événement. Pardon. J'ai un moment que je suis pas allé dedans. Pourquoi il y a. Golden Goal. Waouh. Premier qui marque a gagné. Oh, ça doit être drôle ça. National Team. Il y a un truc. Oh, ça, ça peut être fun. Ah, mais c'est équipe de rêve contre les équipes nationales. Inclus le plan de jeu. Ah oui! Ah oui, on choisit une équipe, on représente et ensuite. Oh, pour jouer contre. Oh! Parce que oui, eFootball est en train de mettre en place des trucs où il y a pas mal de. De. Comment dire? Où on se rapproche de plus en plus de quelque chose. Qui ressemble à un jeu de foot, puisque par exemple, là, c'est un mode. On est toujours en mode équipe de rêve, hein. Donc là, je suis censé, si on va dans le plan de jeu, d'ailleurs, il y a une. Alors, ça se voit pas, mais. Sur les. En réserve, j'ai tous les joueurs, donc le Bastoni que je viens d'avoir, Giroud, Miranda, Maré, Marcus Thuram que j'avais chopé dans un pack, Baffetimbi Gomis, que j'avais chopé dans les joueurs du mois de décembre 2023 en G-League, en Japan League. Lionel Messi qui avait été offert après son ballon d'or, etc., etc. Neymar que j'ai chopé dans le jeu des pénaltys, le Neymar de Santos. Et toute l'équipe qu'on avait pu voir en stream ces derniers temps. Donc tous ces joueurs-là sont là. Mais si vous jouez en mode My League, le truc qui est cool, c'est que vous avez du coup... J'allais montrer sur mon écran. Vous voyez là? Non, vous voyez pas. Vous voyez en surligné, j'ai 13 230 points My League. À quoi servent ces points My League qui sont utilisables que dans ce mode de jeu? Eh bien, vous pouvez aller chercher des joueurs en prêt. Alors, bien évidemment, il y a la possibilité de dépenser très cher pour aller chercher un Sven Botman, un Kvaratskhelia que j'arrive toujours pas à dire, Molina, Matsuki, des joueurs de G League, Phil Foden, exceptionnellement à 2900. Et voilà, les prix évoluent en plus. Suivant si c'est des Player of the Week, etc. Mais surtout, pour pas trop cher, vous avez les joueurs de l'équipe que vous avez choisi. Moi, évidemment, j'ai choisi le Stade Rennais. Que vous recrutez pour 10 matchs. Donc, tous les 10 matchs, il faut ressortir 900 points. Vous commencez avec 10 000 points et vous récupérez des points à chaque match. Donc, le mode de jeu est pas parfait. Hein. Clairement, on va pouvoir en discuter un petit peu. Mais ça permet de mettre un truc de jeu qu'on y a. Donc, je vais récupérer Enzo Lefebvre, qui ont mon milieu de terrain. Voilà, j'ai pas pris Lambourde, j'ai pas pris Lambet, Jacquet, Batola Rouillé, mais
Voilà, et ça vous permet surtout d'avoir un mode de jeu. Alors, et après, il y a les articles My League sur lesquels vous pouvez appliquer les points. Donc, il y a un espèce de boost en échange de points pour les matchs un peu compliqués. Mais voilà, du coup, moi personnellement, bah, pour kiffer un petit peu le jeu, je me suis dit, tiens. Alors, du coup, il est arrivé en réserve ou pas? Ouais, il est arrivé en réserve. Bon, on va le remettre directement sur le terrain. Parce que je me suis dit, pour vraiment kiffer ce mode de jeu. Parce qu'après, ce n'est pas un circuit ou des matchs ou des défis. Alors oui, il y a des défis sur... Oh, putain, je suis encore monté tout à droite. Il y a des défis qui vous permettent de récupérer des points en plus. Mais il y a surtout un championnat à jouer. Donc on peut voir que j'ai peut-être pas mis la difficulté qu'il fallait. Puisque je suis actuellement à 11 victoires, un match nul, une défaite. Ce qui n'est pas non plus déconnant. Parce que le problème... là actuellement, c'est que du coup tous les joueurs sont en mode équipe de rêve poussé au maximum. Je prends par exemple un Amin Gouiri qui a pas 92 normalement dans le jeu, mais qui est au niveau 34 sur 34. Donc normalement il devrait être à... Donc quand vous les prenez en prêt, tous les joueurs sont au niveau maximum. Ce qui fait qu'en fait, que vous preniez le Stade Rennais, que vous preniez le PSG, que vous preniez Nice, que vous preniez Clermont ou que vous preniez Nantes, en fait vous avez la meilleure équipe du championnat, donc c'est pas déconnant non plus de gagner tous les matchs. À ceci près que vous avez peut-être vu, il y a des matchs avec des petites flammes, et sur ces matchs là vous n'allez pas pouvoir choisir la difficulté. Donc le premier match contre le Stade Brestois, c'était en mode professionnel je crois, donc 5 étoiles pour les anciens. Contre le PSG, c'était un 6 étoiles, et là contre Monaco il m'a mis en 7 étoiles, donc j'ai pris 2-0. Mais du coup, ça donne, voilà, on a un truc quand même avec un championnat. Donc là, il y a Lille qui est revenu à un point, mais ça nous fait un petit championnat sympa où il y a moyen de s'amuser, quoi. Il y a moyen de faire des trucs cool. Et vous devez aussi un petit peu gérer votre effectif, parce que vu que vous avez que 10 matchs, ben vous voyez là, à Signaux, il ne reste plus qu'un match. Donc j'essaye de faire tourner un minimum sur les matchs où je peux pour voilà, sachant qu'il y a la force, enfin il y a la force, il y a la forme des joueurs plutôt, etc, etc. Donc ça fait un mode de jeu vraiment sympa où on se rapproche un petit peu d'un mode offline puisqu'on joue que contre l'IA. Donc voilà, il y a encore moyen de faire mieux. On sent que Konami va dans la bonne direction. Peut-être que dans un an ou deux on aura un jeu potable. Bon, faut attendre un an ou deux, mais peut-être que d'ici un an ou deux, il y aura un mode de jeu qui sera vraiment sympa, un jeu très cool. Et puis pour parler un peu foot, voilà ce que j'aimerais voir. Pas compliqué. Alors oui, j'ai mis Fabian Rieder. Donc l'équipe que je cherche, puisque j'ai été chercher en fonction des équipes. Donc, alors, je suis pas sur la défense à 3. Pourquoi? Parce que... Parce que déjà on a une équipe dominante. Et je pense que la défense à 3, ça oblige Matic à être sur le banc. Alors peut-être qu'au Stade Rennais on va plus avoir ce souci d'ici quelques semaines. Je l'espère pas, mais si Matic part, oui, la défense à 3 c'est une très bonne idée. Sachant que Stéphane a fini en 4-2-3. Hein. Mais ouais, moi ce que... Enfin voilà, quand je dis on a un attaquant de trop, je remets Bourigeaud sur le côté pour équilibrer et avoir ce pressing. Et permettre d'avoir surtout ces deux-là au milieu. Parce que ça permet de garder trois joueurs au milieu et d'avoir un attaquant de moins. Donc je pense que la défense est suffisamment sécurisée quand on a Matic. Par contre, si on met Matic et que le fait, je pense qu'il manque un mec au milieu. Donc c'est pour ça que moi je mets Rieder. Après, voilà, hein, si c'est... Alors j'aime pas trop Santa Maria parce que, voilà, si on est dans ce dispositif-là, pour moi, faut quand même deux vrais milieux offensifs. Ou en tout cas, qui sont des mecs de ballon. C'est pour ça que pour moi, ça c'est... Actuellement, c'est le 11 que j'ai mis dans PES, mais on n'est pas loin du meilleur 11 pour le Stade Rennais. Alors, il y a des... voilà, en fonction des formes, etc., etc. Peut-être qu'on parle plus sur un Yildirim plutôt que Guiri, par exemple. Peut-être que Terrier... peut être changé, on remet Guiri à sa place et on met Yildirim. Voilà, après à ajuster, mais en gros, l'animation que j'aimerais bien voir, ça ressemble à ça, quoi. Avec, en termes de strat choisi contre rapide, parce que pour moi, c'est là où on est les plus forts.
C'est-à-dire qu'on met. Donc voilà, vous avez la possibilité, et suivant ce que vous allez choisir, bah, vous aurez une équipe plus ou moins forte. Moi j'essaye de jouer tous les matchs en professionnel, mais comme je vous disais, ils m'ont mis un match en mode légende. Donc complètement injouable. Parce que. Ouais, quand je dis pour moi le jeu de cheat en superstar et en légende, ce que j'entends par là, c'est que pour moi un jeu de foot, en termes de difficulté, la difficulté doit pas se faire, alors qu'on va passer au plan de jeu, la difficulté elle doit pas se faire sur les stats. Parce que... Hop, alors ce que je vous disais, je prends la forme des joueurs, donc là on a pas mal de joueurs en forme, je vais quand même aller voir les remplaçants. Parce que par exemple, ouais, on a un Bélossian qui est ultra bon. En plus on joue contre Lille, qui est une des meilleures équipes du championnat, donc je vais renforcer mon côté gauche avec Bélossian. Je vais pas mettre Guéladoué. Est-ce qu'on met Ibrahim Salah à la place de Martin Terrier vu qu'il est en forme? Ça me paraît une bonne idée. Quitte à faire rentrer Terrier en cours de jeu, mais au moins on a des joueurs en forme sur le terrain. Voilà. Ce jeu est propre en plus, hein. Avec là on verra pas, mais il y a des petites cinématiques en plus pour les matchs importants. Donc le jeu est très très propre, c'est quand même dommage. Mais ouais, pour moi la difficulté d'un jeu de foot, ça doit pas être. Alors oui, bien sûr, si on met une difficulté amateur et une difficulté, comment dire. Alors que je vais baisser un peu le son. Le son est très fort. Non, je disais, ouais, je vais y arriver. La difficulté, alors qu'on voit Benji, Benjamin André, capitaine. La difficulté, oui, ça doit être plus facile en amateur qu'en légende, ça c'est évident. Maintenant. J'ai presque envie de dire la difficulté doit surtout se faire en fonction de l'équipe contre laquelle tu joues, quoi. Ça doit, c'est pas normal que par moment t'aies l'impression que ce soit plus difficile de jouer contre Metz en professionnel que contre je sais pas la D4 du coin en amateur. Enfin, ou l'inverse, je me suis un peu perdu. Mais vous voyez l'idée. En fait, pour moi, c'est surtout la force de l'équipe adverse qui devrait créer cette difficulté et pas le mode de jeu choisi. Et là, on se retrouve, là, le match que j'ai fait contre Monaco. Alors que Monaco soit aussi fort que le Stade Rennais, là, c'est pas forcément déconnant. Mais, voilà, que je puisse pas voir le ballon, faut qu'il y ait quand même une certaine logique, quoi. Et je trouve que actuellement les jeux vidéo, ils se disent bon bah on va juste augmenter les stats à fond, ce qui fait qu'on se retrouve à des aberrations, quoi. Des fois t'es avec Mbappé, t'arrives pas à larguer ton défenseur. Donc ça c'est pas normal. Et on va dans la simplicité, on fait ça, et puis. Alors que voilà le contre. Allez, Ibrahim Salah qui est parti dans le dos de la défense. Il est passé. Faut tirer là. Ouais, la parade de Chevalier. Allez. Ah mince, j'ai oublié de. Plan de jeu. Non, pas info sur l'adversaire. C'est l'équipe rôle pendant le match. On va laisser les corners à Fabian Rieder. Et on va faire monter du monde. À noter que dans le jeu, Omari est imprenable hein, sur coup de pied arrêté. Chose qui n'est pas forcément le cas en vrai. Allez, oh, repoussé. Pas très bien joué, ça. Attention au contre. Bélossian, oui, qui va pouvoir relancer. On va aller chercher sur l'aile. Benjamin Bourigeaud. Ah, c'est sorti, il y aura une touche. On a mal redonné. La touche avec Ismaili. Qui va donner pour Benjamin André. Ça rejoue avec Ismaili. Le changement d'aile. Le ballon passe d'une pour Gudmundsson. Allez, pas trop. Allez, Bélossian.
Le Sion qui va tenter de fermer là. On reste debout, on reste debout, on reste debout, on reste debout. La passe est précise. Allez, c'est dangereux. C'est bon, on va bien fermer l'axe. On va bien fermer. Les défenseurs du Stade Rennais, faut pas l'oublier. Certes, boosté par rapport à leur niveau actuel, mais Théat, Matic, Omari. Ouais, ça joue en face. Hein. Massignon. Allez, on va chercher Bourigeau. Il n'y a rien qui s'ouvre. Autour du gardien de jouer. Allez. Allez, Arthur. Ah, ils ferment bien l'axe, c'est ça qui est chiant. Ça là. On est à l'extérieur chez le deuxième de Ligue 1 en étant leader. Matic. Massignon. Allez. Allez, l'ouverture pour Bourigeau. Le sang bien claqué. La tête. La tête d'Amin Gouiri qui rate complètement. Aïe aïe aïe, qui rate complètement cette tête. Allez, on reste haut. Non, non, j'aurais pas dû lancer le pressing de Gouiri. Bien fermé, toi. Et je suis éliminé. Aucune équipe n'a encore fait la différence. Allez, bien le retour de Matic. Bélocian, c'est bon, qui a trouvé Assignon. Et ils essaient de repartir de derrière. Omari. Matic. Théat. Oh oui, il a trouvé la passe pour Reader. Reader. Non, il n'a pas réussi à éliminer. Ben Talem, qui récupère le ballon. Il était temps. Il choisit le côté gauche. Assignon face à Cabella. Oui, Matic. Toujours bien placé. Ah, toujours bien passé, mais là qui la perd. Cabella. Ok. Théat. Assignon. Bourigeau, Assignon. J'arrive pas à ressortir. Je sais pas. C'est un des premiers matchs où je galère autant à passer les premières lignes. Ça là, Reader, allez. Allez, on change à Signon. Matic. Eh, c'est bien fermé dans l'axe. Hein. J'ai l'impression que je peux que aller chercher Bourigeau. Pour trouver quelque chose. Après, ça va, on a bien la, on est bien haut, on garde bien le contrôle du ballon, mais on n'arrive pas à faire le décalage. Ça là. Allez, pour Reader. Oh, une ça là, ouais, qui trouve une bonne balle en profondeur pour Reader. Elle est peut-être pas touchée. Hein. Elle est peut-être pas touchée. Je pensais qu'elle avait été déviée. Allez, on reste haut. Allez, vas-y, ce coup-ci. Allez, allez, on vient fermer là. On est en retard, on est en retard. Heureusement, Bélocian, bien placé. Un match bien équilibré pour le moment. Léger avantage au point pour les Bretons. Ben Taleb au milieu. Angel Gomez, c'est bien récupéré par Assignon. Mandanda. Allez, on relance au sol. Allez, Arthur Théat. Fais parler ta qualité, balle au pied. Tu peux le faire. Ouf. Ouais, d'accord. Reader. Allez, pour le fait. Non, 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 non. À l'intérieur, on n'a pas de place. Hein. Ils ferment bien. Après, ils ont du monde, hein, mais. Jonathan David pour Cabella, l'ouverture en profondeur qui va pas être trop longue. Assignon qui va tenter de le ralentir. Cabella dans ses gestes techniques, le centre de Cabella. Théâtre de la tête pour dégager. Attention, ça va revenir. Ben Taleb qui perd le ballon sur le retour. Damien Gouiri en défense. Matic. Allez pour Salah, peut-être le contre. Salah vers le fait. Le fait qui perd le ballon. On n'arrive pas à créer notre jeu. Hein. Match complètement ennuyeux, très fermé. Bah, à l'image du Lille-Rennes, hein, d'ailleurs, de cette saison où ça avait été relativement fermé jusqu'au but. Très peu d'occasions. Ça avait fini à 2-2 finalement. Allez, le contre. Peut-être le fait qui va peut-être pouvoir se. Ah, je vais leur dire de jouer un cran plus haut, je crois, en deuxième, parce que sinon. Allez, Reader, peut-être. Gouiri, peut-être qu'il va se mettre en position de frappe pour la première fois du match. Et non, Alexandro qui vient fermer. Et. On n'est pas là sur le contre-pressing.
On n'y est pas sur ce début de match côté Rennais. On a un peu la possession, mais on n'a pas cadré une frappe. Match très très fermé entre les deux équipes. Bon, ouais, je pense qu'on va les faire, on va les faire jouer un cran plus haut. C'est à double tranchant, hein, parce que j'ai envie d'aller gagner ce match. Ou alors je fais redescendre d'un cran le fait pour avoir vraiment, parce que ouais, ils sont bien entre les lignes les deux, mais on n'arrive pas. Si on arrive à passer la première ligne. Et après c'est très fermé quoi, il y a tellement de monde. Omari. Pour le fait avec Guiri, allez sur la prise de balle. What tu tchou. Oula, qu'est-ce qu'il va chercher lui? Ouais, bien, Bellocian. Bien comme il faut. Allez, on reste attentif. Ouais, pourquoi il se retourne? Grova, Gudmundsson, allez. Reçoit le ballon. L'interception, bien joué. Oui, on va dégager. Anticipé. Allez. La contre-attaque. Ibrahim Salah. Renversement. Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Et on n'est pas là sur le second ballon. Sur le contre-pressing plutôt que le second ballon. Mais le ballon a franchi la ligne. Allez. Allez, allez, on va les chercher, nom de Dieu. Allez. Après une première mi-temps, en même temps, c'était soit je fermais la ligne de passe à l'intérieur, soit celle vers l'extérieur. Il faut que j'arrête de vouloir faire le super cancel, j'avais oublié que ça fait des pressings en 2023. On n'est plus dans PES. Omari, va te replacer, s'il te plaît. Assignon revient. Merci. Bourigeau, du coup, qui vient fermer comme il peut. Allez. Dégage-moi ça. Bien, bonne intervention. Voilà. Bon, on va parer au plus pressé. Je crois que je vais finir par leur dire de redescendre d'un cran à force. Allez, va le presser. Allez, le force-le à jouer long. Super. Eh les gars, si on dit on joue un cran plus haut et qu'il y en a un qui monte au pressing, qu'est-ce que vous faites 40 mètres derrière? Vous m'expliquez? Allez, leader. Et on repart tranquillement. Je crois que je vais faire rentrer. Je vais faire rentrer Terrier. Voir Yildirim. Allez. Bon, appuie tes passes, théâtre. Ça là. Allez. Oh, il est pas passé. Gudmundsson qui récupère. Il s'en sur le pressing. On n'y est pas. Reader. Bon, on les a forcés à jouer long. Matic, allez. Matic pour la conservation du ballon au milieu, c'est quand même. Quand même incroyable. Le temps passe, le fait à Signon. Ouais, non, mais non, j'ai forcé la passe là-dessus. Ismaili, Cabella. Dans la récup de balle aussi, c'est pas mal, Matic. A gauche, Bellocian. Allez, trouve la passe vers Reader. Garde-moi ça, garde-moi ça. Omari face à Jonathan David. C'est bien fait, ça. Le décalage vers Cabella. Il y avait le feu. Bon, on va faire les changements, comme ça ils seront faits dès qu'il y aura le. Tant pis. Et puis je vais tenter un truc, je vais dire à un des. Je vais dire à le fait de jouer un cran plus bas. Et je vais mettre Yildirim pour mettre. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que avec Bourigeau qu'on a été dangereux en centrant, donc on va essayer de mettre de la taille dans la surface. Ouais, ça a dégagé alors que je voulais relancer court, c'est pas grave. Ouais, non, 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 non. C'est bien que m'attendais, oui. La parade, magnifique. Oui, bon. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Non, non, applique-toi sur les postes. Oh là là, et on. Le stade Rennais, hein. Bon, il ne se pose pas de questions. On va avoir les changements peut-être. On va avoir les changements. Ils obtiennent la touche. Allez. Changement pour Lille. Le numéro 8. Le numéro 5. À leur place, le numéro 12. Le numéro 18.
Ben Taleb. Allez, restez haut. Merci Yazike. Attention, oh là, oh là. Bon, bah ce coup-ci, on peut allonger du coup maintenant. Ouais, bon, alors après, c'est Mandanda qui allonge. Ouais, je vais les refaire descendre d'un cran parce que j'ai l'impression qu'on se fait ouvrir depuis quelques minutes. Ouah, chouchouchou, Mandanda, que je viens de critiquer, qui nous sauve un point là-dessus. Allez. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Bon, il joue peut-être pour le contre. Qui retrouve Yildirim. Le centre au second poteau vers Martin Terrier. Et l'ouverture du score. De Martin Terrier pour le Stade Rennais à la 86e minute dans ce match à couteau tiré contre le LOSC. Martin Terrier pour le 1-0 sur un contre. Ça va orchestré par le Stade Rennais. Bourigeaud qui décale Yildirim qui centre au second poteau et qui trouve Martin Terrier. Les deux rentrants décisifs. Quel coaching gagnant de la part du coach Vino Twitch. Le coach breton. Allez. Bon, du coup. Allez. On reste un poil plus bas. Allez, Matic qui est fatigué. Allez, Vélosi, on ferme-moi ce côté. La frappe de Bentaleb, ça passe à côté. C'est bon, tranquille. On va faire... Non, on va pas relancer court. Vu comment vous avez galéré sur les dernières relances, c'est bon. Va loin devant. Là. Allez, vers Yildirim. Voilà, prends un ballon de la tête. Pour lancer Martin Terrier, Martin Terrier. La spéciale Terrier, non. Allez. Oh là, 2 sur Cabella et on prend pas le ballon. Bourige, ferme-moi ça. Ça joue à gauche. Venez-le. Ismaili est bien parti. Voilà, et la victoire. La victoire du Stade Rennais. 1-0 dans ce match, dans ce choc de la 14e journée de Ligue 1. Le Stade Rennais qui s'impose et qui met Lille à 4 points désormais. Le trophée de l'homme du match pour Martin Terrier, évidemment. Ah, d'ailleurs, c'est mal vu ça. Ça devrait être les panneaux du LOSC. Dommage. Eh bien, une bien belle victoire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les passes de match. J'ai failli prendre sur le dernier passe de match qui finissait hier. Parce que là, en vedette, c'était pas Bakayoko, c'était... c'était, comment dire, Bourigeaud, mais j'avais quasiment pas joué. En gros, ça permet de débloquer pas mal de récompenses, ce truc. Et c'est vachement intéressant, en fait. Plus vous avez fait de matchs sur la semaine, plus ça devient très... Enfin, sur le mois même. Mais vu que le mois dernier, j'ai quasiment pas joué. Et plus vous faites de matchs, et plus ça devient méga intéressant. Donc vous pouvez utiliser des points pour débloquer le premium. Et ouais, le PSG a gagné le classement. Lille, désormais à 4 points. Marseille à 5 points, puisque Marseille ne s'est pas imposé non plus. On a mis tout le monde loin après avoir perdu contre Monaco, la seule défaite. 28 buts marqués, 8 buts concédés. Comme quoi, la défense du Stade Rennais n'est pas si mauvaise. Ok, du coup, on a perdu Assignon. Eh bien, on va aller retourner le chercher en prêt. Donc pour l'instant, je pense que ce mode de jeu-là, ouais, je vais y jouer comme ça pour le moment. Je m'exclus pas de me faire un truc genre avec Concarneau, ou là, par contre, au lieu de prendre des joueurs en prêt qui seraient déjà au maximum, j'achèterai les joueurs et je me ferai un gros kiff à les faire monter de niveau au fur et à mesure de... Limite de recréer un compte, quoi, pour arriver à ça. Hop, du coup, c'est bon, dans le plan de jeu, on récupère Assignon pour 10 matchs. Guiri qui va être sur son dernier match aussi. Et d'utiliser les points My League, ouais, pour vraiment aller chercher des prêts intéressants. Enfin, même pas, en fait. Parce que joueur en prêt... Ouais, si c'est pour aller chercher des joueurs comme ça... Je pense qu'on prendra même pas les joueurs en prêt, on n'utilisera même pas les points My League. On s'en servira juste comme référentiel pour le nombre de points qu'on aurait le droit de dépenser. Je pense, je réfléchis à faire un truc comme ça, en mode un petit peu comme avec Alex Vinolgoff.
ou avoir un espèce de fil rouge sur ce jeu-là, pour être fun. Allez, le match. Après avoir joué le deuxième, on joue le troisième du classement. Mais ce coup-ci, c'est chez nous, c'est au Roizen Park. Le Stade Rennais reçoit l'Olympique de Marseille. Alors, en bleu fond... Non, en blond. Ouais. Et team... Team maillot principal dès que possible. Après, je comprends. On est, Alors, est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'on met Gauthier Gallon dans les buts? Les deux sont quasiment au même niveau. Hein. Combien reste-t-il de matchs à Mandanda? Est-ce qu'on a l'info? 4 matchs disputés. Ah. Ou est-ce qu'on fait confiance à Mandanda? Très bonne question. Sinon, Désiré Doué. Ouais, on va l'installer au milieu. À la place de Fabienne Rieder. Parce que le fait, je le vois plus comme le deuxième. Potentiellement le deuxième relayeur. En gros, à droite, il se partage avec Bourigeaud. Puis en plus, le fait était plus en forme, je crois. Donc. Choisir ça. Allez, on va tenter. Plutôt que Gildiri, on va tenter Kalimuendo en pointe. Ouais, sinon pas d'autre raison de changer. Mais sur une équipe assez solide, je pense. Peut-être même faire l'inverse. Avec le fait s'il doit défendre un peu plus côté Terrier. Ça peut être pas mal. Allez, let's go! Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein, mais ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe, on a jeté un coup de... Allez, le match dans ce Roizen Park pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit l'Olympique de Marseille. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. C'est vrai qu'avec les musiques, même le, enfin voilà, ils ont pris le truc de mettre les drapeaux, etc. C'est vachement, c'est pas mal quand même. Il y a de la base pour un bon jeu, quoi. Allez, le Stade Rennais qui est disposé en 4-4-2, un espèce de 4-3-3 hybride. Au Kalimuendo, par contre, j'avais pas vu qu'il était aussi mal fait. Un espèce de 4-3-3 hybride. 4-4-2, 4-3-3. Alors que du côté du Marseille, on va jouer en 5-3-2. Les compositions qui s'affichent à l'écran avec Aubameyang et Ndiaye devant. On va voir la disposition des deux équipes désormais. Avec Mandanda dans les buts, Omari Théâtre en charnière centrale. Truffert à Signon, Matic, Désiré Doué, Enzo Lefebvre, Bourigeaud, Terrier, Kalimuendo. Et j'ai pas eu le temps de faire l'Olympique de Marseille. C'est parti! Le coup d'envoi qui va être donné par le Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo. Et c'est parti, Matic qui a le ballon dans les pieds. Avec Romary. Allez. Tout de suite trouver Désiré Doué qui arrive à se retourner. Désiré Doué qui va aller trouver Assignon qui s'est projeté. Je m'attendais à voir Bourigeaud à cet endroit-là. J'ai pas compris. Ils avaient bien perdu l'unité. Attention. Les Marseillais qui procèdent déjà en contre. Et ça se retourne. Et les Rennais qui viennent froid. L'ouverture du score de Unani. Unai. Et pas Unani. Dès qu'ils ont récupéré le ballon, bon. C'est vraiment allé très vite. Bravo. On va se reconcentrer. Matic. Assignon. Bourigeaud. Allez, qui lance Doué sur le côté. Assignon au milieu de trois Marseillais. Attention. Le ballon piqué sur le côté. Oula. Par contre, je lui ai dit de sortir. J'aurais pas dû. Allez. Désiré Doué. Vers Kalimuendo. Pour Bourigeaud. Il arrive à lancer Kalimuendo dans le dos de la défense. Qui va pouvoir donner à. Dans l'axe, c'était pas ça que je voulais faire du tout.
C'était pas mal au final, hein. Ça a failli donner quelque chose de sympa. Allez, Omari, gagne tes duels, s'il te plaît. Doué. Pour le fait. Truffert. Qui tente de se projeter. Matic. Pour Doué. Bourigeau. Allez, Assignon qui demande de côté. Allez, le centre. Et la tête de Martin Terrier à nouveau. Ah, y a pas la célébration de Martin quand même, c'est dommage. Le centre d'Assignon à nouveau pour Martin Terrier, comme sur le match face au LASK. Toujours la tête au second poteau, le super centre. La tête dans les 6 mètres, imparable pour le gardien. Qui n'est pas sorti, hein, Paul Lopez là-dessus. Le centre arrivait très fort. Allez, on va sortir. Oh là, attention. Oh, pas de faute. Et Truffert qui concède le pénalty immédiatement après ce match. C'est fou, messieurs, dames. Un quart d'heure de jeu, un but partout et pénalty pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ndiaye, ouais, Truffert qui se jette. Truffert qui se jette bêtement. Allez, Mandanda. Allez, Mandanda. Face à Aubameyang. Le pénalty. Et c'est bien tiré. C'est très, très bien tiré. Mandanda qui est parti du bon côté. Mais Aubameyang qui vient marquer le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. 2-1. La célébration selfie pour Aubameyang. Ouais, Ndiaye, Truffert, l'erreur d'Adrien Truffert. Et Mandanda qui perd son duel, il était parti du bon côté, Steve. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Allez. Quelle séquence de passe, collectivement c'est parfait. Allez, on se projette du côté d'Adrien Truffert. Pour Martin Terrier. Voilà, et par contre, il... voilà, et en transition, ça va très vite. Un 4 contre 3 à nouveau à jouer pour Marseille. Jonathan Clauss. Le centre de Jonathan Clauss. Heureusement, c'est dégagé par Assignon. Matic qui va transmettre vers Enzo Lefebvre. Qui va pouvoir lancer Martin Terrier. Et la transition est rennaise. On assiste à un match un peu de ping-pong. Ça va chacun de son côté. Désir et Doué qui va obtenir le coup franc. Alors on a été moins bon sur la transition, hein. Marseille qui est meilleur en transition que le Stade Rennais. Allez, la balle. On va jouer avec Arthur Terrat, Bourigeau, Omari. Bourigeau à nouveau dans l'axe. Vers Désiré Doué qui va aller chercher Assignon. Assignon qui va pouvoir déborder. Assignon, le centre à nouveau. C'est repoussé par la défense. Une deuxième fois. Ça va aller jusqu'à Enzo Lefebvre qui va pouvoir donner à Adrien Truffert. On va repartir sur une phase de possession pour les Rennais. Nemanja Matic qui va obtenir une nouvelle faute. Beaucoup de fautes dans ce match. Allez, est-ce que Bourigeau va tenter? On est à 35 mètres des buts. Est-ce qu'on va pas plutôt aller chercher sur le côté vers Adrien Truffert? Face à une défense certes un peu regroupée, Martin Terrier qui revient dans l'axe. Bourigeau, Matic qui va aller chercher Assignon. Assignon qui peut peut-être se projeter, revient vers Matic. Vers Bourigeau. Bourigeau va mettre la frappe de Bourigeau, repoussé par la défense. Repoussé par le gardien, pardon. Enzo Lefebvre qui récupère, côté gauche, vers Adrien Truffert, le centre vers Kalimundo, repoussé vers la défense. Matic, les Rennais qui font le siège. Du but marseillais, attention, ça va être récupéré par Jonathan Clauss et ça va pouvoir repartir. On relance court, côté marseillais, Désiré Doué qui est resté au pressing, Martin Terrier qui va l'accompagner, Kalimundo aussi, mais il y a un décalage qui commence à être fait. Murillo, face à Bourigeau, il lance dans la profondeur, mais ça va aller directement en touche. Ils obtiennent la touche. Assignon, vers Warmer de Marie, ça rejoue avec Assignon. Vers Bourigeau, c'est mal donné, c'est Murillo qui va récupérer. Vertu qui passe dans l'axe, il va aller trouver Aubameyang qui s'est excentré. Aubameyang face à Omari.
Désiré Doué qui n'aura pas le ballon, mais ça permet à Matic de le récupérer. Peut-être une transition à jouer. Enzo le fait vers Martin Terrier. Martin Terrier qui trouve dans les pieds Kalimuendo. Mais on est un peu arrêté. On va devoir repasser derrière. Matic qui trouve le fait. Le fait à l'intérieur. Le fait qui va pouvoir continuer. Il décale Bourigeau. Bourigeau, la femme de centre. On revient en retrait. Allez, Assignon qui n'a pas continué son appel. Doué dans la surface. Et c'est récupéré par les Marseillais, pas pour longtemps. Omari qui redonne à Assignon de la tête. Bourigeau vers Assignon. Le centre d'Assignon s'est contré. Et le fait qui récupère le ballon, mais qui est hors jeu. Voilà. Allez, faut rester haut pour les Rennais. Paul Lopez qui va jouer court. Balerdi qui est pressé, mais qui arrive à trouver Murillo. Allez, le pressing peut-être. Ah, c'est mal fait. Et Paul Lopez qui va pouvoir repartir. Allez, non, on n'est pas assez haut. Faut qu'on monte. Les gars, faut qu'on joue un cran plus haut. Bon, après, si on se fait transpercer, on va avoir l'air fin aussi. Allez, le fait. Oh là là, éliminé trop facilement. Ndiaye qui a été cherché dans la profondeur face à Théâtre. Et l'interception de Théâtre qui va devoir dégager en touche. Attention à cette situation quand même. Ne pas prendre le troisième avant la mi-temps, ce serait catastrophique. Jonathan Clauss le centre, la tête de Marie. Matic qui va pouvoir dégager peut-être une dernière opportunité. Terrier qui va pouvoir lancer Truffert sur son côté gauche. Ah, le bon tag, non il est passé. Allez, Truffert, peut-être pour un dernier centre. Le centre de Truffert, la tête de Bourigeau, ça passe juste à côté. L'arbitre qui siffle à mi-temps sur cette dernière occasion. 2-1 pour les Marseillais au Roizen Park. Rennes qui va peut-être concéder sa première défaite à domicile de la saison. Moi je trouve qu'on a vu une première période ouverte et équilibrée entre deux équipes. Allez, la deuxième mi-temps. Les Marseillais qui reviennent sur la pelouse. Les Rennais hein, qui ont encore des forces sur le banc. Et c'est parti pour dire que si on continue à allumer de centre comme ça, on va mettre Yildirim très vite. Jonathan Clauss qui va perdre le ballon face à Enzo Lefebvre. Peut-être une transition. Il y a un bon coup à jouer là pour les Rennais. Lefebvre. Ah, c'était pas lui que je voulais donner. C'était un doué. Allez, restez haut. Allez, va le chercher. Allez, faut les forcer à allonger là. Oh là là, ils arrivent à s'en sortir, c'est pas normal les gars. Allez, c'est bon, là ils ont perdu le ballon. Bourigeau. Ah non, Bourige. Bon service dans la profondeur. Oh là là. Tu veux pas lever le drapeau toi? Non, tu veux pas lever le drapeau, d'accord. Oh la frappe, oh lolo. Il avait mis une frappe bien lourde. Quelle férocité dans ce tir. Le gardien ne revient pas. Ouais. On va essayer de relancer court quand même. Remets-lui. Allez. Matic. Allez, c'est bon. On a passé la première ligne. Allez, viens t'appuyer sur le fait. Voilà. Le décalage. Allez. C'est joué. Non oh. On va obtenir le corner là-dessus. Allez, c'est encore bon. J'ai encore oublié. Il faut que je pense à le faire, mais en avant-match. Ah, j'ai pas reader, je suis bête. Je peux quand même mettre les. Alors, vite remettre reader d'ailleurs, si besoin. On est comment sur la forme là? Ouais, il y a des trucs à faire. Peut-être avec Ludovic Blas aussi à la place de Bourigeau pour avoir un vrai ailier à la place de Bourigeau. On va voir. Et voici le premier corner de cette rencontre. Du coup, le temps qui monte, est-ce qu'on jouerait pas ce truc à deux? Allez, tiens, Benzo. Ah, il a joué à deux. Bourige, le centre au second poteau. Aïe. On n'est pas passé loin. Ce corner joué à deux, très bien joué à deux d'ailleurs. Bourigeau qui tente d'aller chercher au second poteau la tête. Je crois que c'est Omari au second poteau qui rentre pas assez dans le ballon. Ça a donné un autre corner, ça a été dévié. Allez, on va jouer directement dedans ce coup-ci. Le corner vers Arthur Théâtre, la tête de Théâtre, repoussé par la défense. Les Rennais sont pas loin de l'égalisation. Allez, Nemanja Matic
pour une tête, pour une touche vers Terrier. Terrier vers Lefay. La frappe de Lefay contrée. À Signon. Vers Matic. Qui va réussir à trouver côté gauche. Peut-être Martin Terrier. Le centre de Terrier. La fin de centre de Terrier. En retrait. Vers Doué. Truffert. Le crochet de Truffert. La frappe de Truffert. C'est contré. Nouveau corner. Les Rennais qui poussent. Les Rennais qui poussent pour revenir au score. C'est le plus important. Allez, un corner au premier poteau. Vers Arthur Théâtre. Non, ce sera vers Kalimundo. C'est repoussé de la tête. Attention à la transition. Ndiaye qui a récupéré. Non, il va revenir en retrait. Allez, on se replace et on ressort. Ouais, par contre, s'ils vont nous chercher des appuis comme ça et qu'on n'est pas là, ça va être un peu chiant. Attention, 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 je peux pas trop sortir, ouais, parce qu'il y avait l'appel là. Une occasion. Le centre, ce. Oh, Mandanda, oh. Steve, là, c'est dans tes pieds. Ouais, je pense que je vais sortir Bourigeau et je vais mettre Ludovic Blas pour avoir un vrai ailier. Jouer un poil plus offensif encore. Parce que je pense qu'ils vont reculer de plus en plus. Et mettre Yildirim à la place de Kalimundo. Attention au contre. Je vais me garder la possibilité Guiri si jamais Terrier est un peu fatigué en fin de match. Lefay. Allez pour Doué. Bourigeau. Non. Est-ce qu'on va avoir le corner? J'étais même pas sûr que c'était un corner. Allez. Doué à nouveau. Terrier. Le décalage pour Enzo Lefay. Enzo Lefay. Et qui va obtenir la faute. Ah bah c'est le moment de faire rentrer Reader. C'est le moment de faire rentrer Fabien Reader. Mesdames et messieurs. La distance et l'angle. Bon, après il y a Enzo Lefay aussi. Hein, mais... Allez, c'est le moment de faire les changements. Bah on va garder. Hop, triple changement. Monsieur l'arbitre. Amine Guiri est pas fait pour. Bah on va le mettre en seconde attaque. Pour lui dire de rentrer vraiment intérieur. Hop, on va dire à Bourigeau. Tu vas jouer un rôle plus haut pour laisser ta place à Blas. Qui lui est un vrai ailier droit par contre. Même si je le préfère axe hein, en vrai, Ludovic Blas. Ce qui me semble. Alors attendez. Guiri, on est d'accord qu'il est bien en forme, ouais. J'aurais même pu faire. On va mettre Yildirim à la place de. Ah mais du coup si on fait. Ah, est-ce qu'on passe pas en 4-4-2? Est-ce qu'on passe pas en 4-4-2? Carrément. Ah, surtout que Guiri est pas fait du tout pour ce poste en fait. Guiri en milieu offensif, ça passe? Non, du tout. Il est... Ah, c'est uniquement dans l'axe. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas rentrer Guiri. On va faire un changement poste pour poste et faire rentrer Ibrahim Salah à la place de Martin Terrier. On va mettre Yildirim à la place de Kalimundo parce que je sens qu'on va quand même réussir à centrer avec Assignon et Truffert. Et est-ce qu'on garde Enzo Lefay? On va faire rentrer Fabien Reader à la place de Désiré Doué. 4 changements, du coup. Monsieur l'arbitre, 4 quadruple changement. Et on va prendre Fabien Reader pour ce coup franc. Allez. Allez bonhomme, c'est ton moment. Premier ballon, lucarne gauche. Non. Quelle occasion. Allez. Oh là là, par contre, ouais. Faut être présent, les gars. Faut être présent. Oula, oula. Théa, tu me lâches pas, s'il te plaît. Parce qu'il y avait des situations à jouer, sinon. C'est joué long. Attention. Par contre, on défend à 7, hein, désormais. Le centre. Voilà, le dégagement. Allez, Yildirim en point d'appui, Reader pour Salah.
Il y a de l'espace, ils feront. Ah, j'ai raté la transversale vers Ludovic Blas. Allez, qui n'a pas cédé leader. Non, toujours pas. Allez, c'est bon, au moins le pressing était là. Il dirime, le fait pour Blas. Ludovic Blas qui va se présenter face à Paul Lopez. Le décalage pour Ibrahim Sarr. Égalisation. L'égalisation du Stade Rennais de but partout. Le but du numéro 34, Ibrahim Sarr, sur un contre incroyablement joué. Que les rentrants qui touchent le ballon à Parenzo le fait, qu'on a bien fait de laisser sur le terrain. Et Ludovic Blas au second poteau vers Salah qui a bien suivi. Alors du coup, par contre, nouveau changement tactique. On va rester en 4-3-3. Par contre, on va faire reculer le fait d'un camp pour rééquilibrer. Parce que sinon, j'ai peur qu'on soit un peu trop. Allez. Quel match, en tout cas, il ne lâche rien. Alors là, c'est un but qui fait du attention, hein. Est-ce qu'ils arriveront à marquer le but de la victoire ? Il faut sortir. Oh là là, bien. Énorme occasion. Oh, le but de l'Olympique de Marseille. Hallucinant. J'ai pas le droit. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Bon. Eh bien, tout est à refaire. 3 buts à 2 pour les Marseillais. Ils méritent de mener, mais ils vont devoir batailler dur pour conserver le avance. Ah, Matic. Oh là. Allez, assignons. Il avait bien lu cette passe. Oui, il a bien anticipé. Est-ce qu'on peut aller chercher le 3-3 ? On a pris un coup derrière la tête. Est-ce qu'on peut se relever et aller chercher le 3-3 ? Allez. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas vers lui. Bien la défense. Allez. Non, allez, le fait. Alors, Rongier qui me prend le ballon, ça. Non, ça c'est pas possible. Ludovic Blas, allez. Pour Assignon. Le centre d'Assignon. Ouais, bien dégagé. Ouais, par contre, on a plus assez de monde. Je sens que je vais finir par faire rentrer un deuxième attaquant. Ah, c'est le moment où on va faire rentrer Guiri. Guiri juste avec Guiri en pointe. Pour les dernières secondes, à la place de Matic complètement cramé. Qui récupère quand même le ballon ici. Allez. 5 minutes de temps additionnel. Allez, Ludovic Blas. Côté droit. Le crochet. Le centre de Ludovic Blas au second poteau, repoussé par la défense. Truffert qui remet à Lefebvre. Lefebvre qui va pouvoir aller chercher Blas. Blas pour Assignon. Le centre au second poteau. Viriel Dirim. La tête repoussée par Paul Lopez sur sa ligne. C'est incroyable ce match. Allez, on a toujours le ballon en dernière touche. Allez, montez. Les défenseurs. Ah, il a anticipé la passe. J'ai pas le droit de faire ça. Pierre-Emerick Aubameyang reçoit le ballon. Voilà. Allez, c'est bon. La dernière. Ah, on n'aura pas la dernière nouvelle défaite. Mais ils vont sûrement repenser à toutes ces occasions de la rencontre. C'est toujours décevant de repartir sans aucun point. Par contre, c'est vraiment la première fois où j'ai la sensation qu'il y ait un simili-script. C'est rare, hein, parce que 3 tirs cadrés et 3 buts pour Marseille. Bon, après, j'ai défendu comme un pied, hein. Pas voir le mal partout. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai la sensation d'un simili-script dans ce jeu. Et Marseille qui revient à 2 points. Voilà, on va s'arrêter là pour... Défi échoué, moi je n'avais même pas vu. Gagner un match, ah oui d'accord, sur le prochain match. Contre Lens, oh, Lens ils sont combien dans le... 6ème, d'accord. Et ouais. Clermont, Toulouse, Montpellier en bas. Lyon bien mieux qu'en vrai. Hein. Rennes aussi d'ailleurs, mais Rennes c'est parce qu'ils ont une meilleure équipe. Et il y a la relégation. C'est ça que je vous disais, on fera peut-être un truc, genre avec Concarneau. Partir vraiment du bas avec des joueurs typiquement, ouais, l'idée ce serait aller chercher des joueurs genre contrat, donc aller liste joueurs standard, donc comme on peut aller chercher avec des joueurs qui sont si on prend un Mbappé par exemple, il est à 85, donc c'est pas son niveau réel, c'est parce qu'il est au niveau 1 sur 22,
Mais l'idée, ce serait de faire trier. Et genre, on se dit... Non, pas trier, filtre. Et on se dit, par exemple, on prend que des joueurs de Ligue 2. On commence avec Concarneau, on prend que des joueurs de Ligue 2, ce qui va nous limiter à un niveau 73. Et on se construit une équipe comme ça, avec, avec que des joueurs de niveau 73, qu'on ferait progresser au fur et à mesure. Faudrait voir comment est-ce qu'on peut, on peut trouver le moyen de, voilà, de se créer une équipe. Sachant que en plus, il y a le côté, bon, on peut choisir allez, des joueurs qui font un peu, qui sont un peu rigolos, genre on prend Alemdar, on prend... je sais pas, on prend Charbonnier, des joueurs bien identifiés, quoi, Liénard. Parce qu'au final, un peu peu importe qui on prend, Gabriel Kakuta, pour Amiens, j'ai envie de dire Adrien Hunou, peu importe qui on prend, en fait, ce sera à peu près le même niveau. Il y a juste, ouais, certains ont une plus grande marge de progression, forcément. Colin Dagba, rigolo. Voilà, c'est pour ça, il y a un petit truc... Aller chercher Gauthier. Je pense que ça peut être rigolo et de partir comme ça en se fixant des limites, etc. Essayer de monter en Ligue 1 et d'aller accrocher si possible les titres. Parce qu'on voit que en fait, là en professionnel, bon là je disais, j'ai l'impression de m'être fait un peu scripter le match. Donc je sais pas à quel point, mais oh, après c'est peut-être juste j'étais moins concentré aussi parce que je suis en stream. Mais c'est quand même vachement rare que ça me soit arrivé sur. Sur eFootball. Et ce mode de jeu là, ouais, on se rapproche vraiment de... Parce qu'il y a... Enfin... La base de données de ce jeu, en plus, elle est énorme. Hein. Quand on cherche, si on va dans Extra, donc il y a les... y a possibilité de faire des entraînements. Donc vous prenez équipe authentique. Dans ce mode de jeu là, en entraînement, vous êtes bien. Hein. Bon, c'est dommage. Hein. Il n'y a pas moyen de faire des matchs d'entraînement. Et si vous regardez... Ah oui. La dernière fois, j'ai joué contre Antwerp. Me demandez pas comme pourquoi, c'était pour faire plaisir aux enfants. Mais en réglage d'entraînement, quand on voit la base de données, enfin, je veux dire, il y a de quoi faire. Hein, toutes les équipes de championnat danois, écossais, néerlandais, avec les licences. Hein. Le truc là, c'est licencié. Et en plus, même quand il n'y a pas les licences, genre championnat anglais, toutes les équipes sont là. C'est ça le pire. C'est qu'en soi, si vous voulez faire un Liverpool, je sais pas, un Liverpool Tottenham, vous aurez pas les vrais maillots. Encore que, en allant chercher les... Voilà, vous faites un 11 contre 11. Voilà, vous avez, en plus, tous les niveaux disponibles, à part le niveau légende, mais c'est pas bien grave. Vous mettez les fautes à Liverpool, mince. Et du coup, hop, je voulais équipe à domicile, zut. Hop, si vous voulez faire, admettons, un Tottenham-Liverpool, vous pouvez. C'est jouable. Les équipes sont dans le jeu. C'est juste, on vous interdit de le faire en match. Ah, donc si vous voulez, hein. Et puis avec... Il y a tout qui est, hein. Les images y sont, etc. Les équipes à jour... Tout y est, hein. Y a pas de problème. Hein. Le seul truc, c'est qu'on vous interdit de faire ça en match normal. C'est tellement incompréhensible. Alors oui, enfin si, c'est compréhensible. Faut que vous jouiez en mode équipe de rêve pour que vous dépensiez des sous dans le mode équipe de rêve. Mais laissez-nous un jeu. Même, franchement, la possibilité d'avoir toutes les équipes débloquées, plus un mode modifié, plus la possibilité de faire juste... Des ligues, je demande même pas une ligue des masters. Vous me dites ça, 30 euros, mais je les sors. Je prends ma carte bleue, j'achète le jeu de suite, quoi. C'est déprimant de pas pouvoir avoir un jeu de foot. Bon, je prends 5 minutes, histoire d'arrêter de parler 30 secondes, et le temps de lancer Tour de France. Et puis, on va continuer la carrière d'Alex Vinologoff, en espérant qu'on n'a pas mis la difficulté trop haute, d'ailleurs, sur Tour de France. Je pense que ça va être le stream où on va vérifier ça. Bref, à tout de suite. On revient dans un instant.